Je m'appelle Rafik Ezid, je suis cadre technique fédéral pour les missions d'arbitrage sur la Ligue Île-de-France. Donc je suis arbitre national du groupe 2 et espoir à l'EHF et donc je m'occupe de toute la partie détection des jeunes arbitres sur le territoire français. Les clubs forment énormément de jeunes arbitres et nous les basculent après sur les comités départementaux. Et donc les comités départementaux ainsi que la Ligue d'appartenance poursuivent le travail de formation et pour le coup sur ces 3 jours, on a organisé un stage interné des jeunes arbitres. Et donc nous, on fait tout un travail de formation derrière avec beaucoup de travail vidéo, de la théorie comme on l'a vu hier, un peu de pratique ce matin pour innover un petit peu le parcours de formation. Tout ça soit quelque chose qui soit très important pour vous, d'accord ? Les attaquants sont super rapides dans le changement de statut. Dès qu'ils perdent le ballon, ils se replacent en défense et c'est ce qu'on leur demande. Nous, c'est pareil. Un arbitre de champ doit en une fraction de seconde passer arbitre de but. Dans le comportement, dans le statut, dans le déplacement, dans le placement. Ok ? Allez. Sur les catégories de jeunes, on va beaucoup s'attarder sur l'aspect réglementaire. C'est-à-dire que plus on va avancer dans le niveau des compétitions, et plus on va demander à un arbitre d'être un très bon communicant, d'être un bon gestionnaire d'hommes avec un grand H. Sur le stage-là, on a essayé de mettre en commun nos actions. C'est-à-dire qu'il y a les arbitres du TV qui sont désignés par la Fédération Française de Handball et les arbitres des intercomités qui sont désignés par la Ligue de France et donc par mon équipe et moi. Et donc du coup, avec Jérôme, on a essayé de créer du lien entre les deux groupes. Donc que ça soit sur le partage d'expérience qu'on a vu ce matin avec beaucoup de questions, beaucoup d'échanges entre les jeunes et les arbitres du TV. Et sur la séance pratique qu'on a vue ce matin où on a vu les arbitres du TV se mélanger avec les jeunes, ça crée une cohésion comme pour toute équipe qui joue au ballon et donc du coup c'était vachement intéressant de les allier. Le TV je l'ai fait l'année dernière et ça reste l'un de mes plus beaux souvenirs de ma jeune carrière. C'est une organisation extraordinaire, digne des plus grands tournois. Enfin, franchement, j'en ai fait pas mal à l'étranger et en France, c'est un truc juste incroyable. Après, t'as toute l'ambiance qui va avec, le grand écran, l'habillage, le gyrofloor. Donc c'est vraiment une expérience fabuleuse pour un arbitre d'être sur le TV. Pour tout acteur de handball, que ce soit un entraîneur, un joueur et un arbitre, le TV, c'est, je dirais, presque un aboutissement pour la carrière d'un jeune joueur et un jeune arbitre. Oui, la suite logique, c'est de suivre les générations des équipes de France qui sont désignées sur cette année-là d'âge sur le TV. We know it's dope, so we don't flop if you